Nous allons faire un focus justement sur les contenants verts. J'ai le plaisir d'appeler Nicolas Dové, responsable national réemploi pour Biocoop, Lauriane Delamar, chef de projet réemploi Evrac Citeo, Florence Gabory, chef de produit et projet réemploi Maison Gabory, et Yann Priou, directeur général de Bout à Bout. Bienvenue, installez-vous autour de moi, des micros de part et d'autre. Bienvenue, installez-vous Nicolas. Le temps que vous vous installiez et que le mouvement dans la salle se termine, il y a toujours une transition entre chaque séquence. La bonne nouvelle sur cette table ronde, c'est que nous n'avons pas de diaporama. Donc la technique va fonctionner. Bienvenue, bonjour Florence. Alors, on prend un petit peu de temps que tout le monde s'installe. Je vous en prie. Merci de vous installer. Nous allons débuter la table ronde réemploi. Le passage à l'échelle se prépare. Tout d'abord, un petit tour de table pour présenter chacun et chacune des intervenants et intervenantes. Lauriane, bonjour. Est-ce qu'on entend bien Lauriane? Merci. Je suis pas sûr. Ah, si, ça marche, son micro fonctionne. Vous faites partie depuis un an et demi de l'équipe réemploi, l'éco-organisme Citeo, une équipe en plein essor. 4 personnes quand vous êtes arrivés, 15 aujourd'hui. Vous avez particulièrement travaillé sur l'offre de financement en lien avec l'appel à projet 2023-2024. Vous vous concentrez sur le développement de l'offre d'accompagnement. À ma gauche, Florence, bonjour. Vous pouvez prendre un micro. Ça oui, fonctionne. Bonjour. Parfait, on vous entend Florence. Maison Gabory, 48 salariés, une ferme, une fromagerie, une laiterie. Vous êtes une entreprise spécialisée dans la transformation des produits laitiers bio située à Molévrier dans le 49, c'est bien ça. Plus de 70 références, yaourt, crème, fromage blanc, kéfir, fromage affiné. Bio depuis la création 1979 et biocohérence depuis 2009. Vous, Florence, vous êtes arrivée dans une entreprise familiale. Vos frères et sœurs sont tous investis dans l'entreprise. Et vous avez pris en 2022 la responsabilité du réemploi en tant que chef de projet, avec notamment un projet sur les bocaux verts. On va y revenir, distribué dans de nombreux magasins, dont les magasins Biocoop. Donc on aura des interactions et des liens à faire. Biocoop, Nicolas Dové, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes en charge de la R&D emballage de l'enseigne, 15 ans d'expérience dans le monde de l'emballage. Vous animez tous les sujets d'éco-conception, différents modèles de distribution, vrac, recharge et réemploi. Biocoop, faut-il présenter l'enseigne de distribution spécialisée dans les produits issus de l'agriculture biologique, leader de la GSS, de la distribution spécialisée avec 40% de parts de marché et environ 740 magasins. Exactement. C'est bien ça, les derniers chiffres sont à jour. Yann, bonjour. Bonjour. Directeur général de Bout à Bout, vous accompagnez les distributeurs dans la transition vers les emballages réutilisables, réemployables. Vous êtes un opérateur de boucle de réemploi en charge de la collecte, du tri, du lavage, des contenants verts et des bocaux. Et c'est aussi ce qu'on voulait mettre en lumière lors de cette table ronde, parce que, on l'a dit tout à l'heure, le sujet est bien connu pour les bouteilles vertes, peut-être un peu plus émergent sur les bocaux. En tout cas, on va montrer que le travail avance, des progrès sont en cours. Et Bout à Bout, changement d'échelle en 2023 avec une nouvelle usine de lavage à Carquefou. C'est le site mutualisé le plus capacitaire en multicontenants, c'est-à-dire bouteilles et bocaux à l'échelle nationale. Voilà pour ce tour de table. On va rentrer tout d'abord dans le vif du sujet et au fond, le moteur, les arguments pour aller vers le réemploi. On sait qu'il y a beaucoup d'interrogations dans un cadre mouvant et incertain. Alors je me tourne vers Lauriane. Tout d'abord, la réglementation. On en a dit quelques mots avec Vincent. On va compléter, on va voir, je le suis sûr, vous êtes en adéquation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui, tout à fait. Alors, on en a beaucoup parlé depuis tout à l'heure, donc ça va être une petite piqûre de rappel. Mais sur la réglementation française, la loi AGEC fixe des objectifs ambitieux sur le réemploi, avec une trajectoire pluriannuelle pour atteindre un objectif de 10% d'emballages réemployés mis sur le marché d'ici 2027.
Donc c'est une trajectoire qui a commencé déjà sur 2023 où il y avait un objectif de 5% d'emballages réemployés à mettre sur le marché. Donc des objectifs ambitieux. C'était également affiché dans la présentation de Vincent en tant qu'éco-organisme. On a l'obligation de dédier 5% de notre chiffre d'affaires au déploiement de projets de réemploi. Donc sur 2023, 5% de notre chiffre d'affaires, donc des contributions, ça représentait une enveloppe de 50 millions d'euros qu'on a traduit par un appel à projet qui a été, pour cette première année de lancement, assez fructueux. Alors, on y reviendra. Sur l'échelle nationale, je crois qu'on a tous en tête les objectifs. Votre analyse sur l'échelon européen, sur PPWR ? Bah, comme l'a rappelé Vincent ce matin, on est encore dans l'attente de voir ce que ça va donner. Donc pour le moment, nous, on se focus sur les objectifs de la loi AG. En tout cas, l'orientation semble être prise d'aller vers des objectifs, en tout cas par catégorie de produits. C'est ce qu'il faut retenir à ce stade. Et c'est à mettre en lien d'ailleurs avec une étude qui a été réalisée par l'ADEME, une étude de potentiel de réemploi, où on voit justement les potentiels avec des objectifs qui varient en fonction des différents segments de marché. Alors, on va justement aller vers les arguments environnementaux. Je me tourne vers Yann Priou, DG de Bout à Bout. Justement, quels sont les arguments en faveur du réemploi des contenants verts ? Il y a notamment une étude que l'ADEME a produite en juin 2023 sur laquelle on a des éléments qui ne sont pas forcément dans la tête de tout le monde. Bon, en fait, il y a eu plusieurs études menées par l'ADEME. L'ADEME a accompagné depuis assez tôt le sujet du réemploi. La première étude montrait un intérêt du réemploi de lavage pour la diminution des consommations en eau, entre 30 et 50 % pour la diminution des besoins en énergie. Il faut voir que la filière de recyclage du verre est vertueuse. Néanmoins, consomme beaucoup d'énergie pour refabriquer des contenants. Et donc, du coup, on parle de moins 79 à peu près, enfin, moins 80 % d'énergie nécessaire dans le cadre de réemploi, et donc ça entraîne aussi des réductions d'impact carbone. L'étude menée qui est parue en 2023, elle a mis en évidence le fait que, en fait, même avec des bassins de collecte qui peuvent être relativement larges, qui peuvent aller jusqu'à 600 km, on a un intérêt écologique qui est certain et qui démontre en fait une filière qui fonctionne. Alors c'est le chiffre effectivement qu'il faut retenir. Il y avait d'autres chiffres beaucoup plus bas qu'on ne va pas redire, mais qui effectivement préexistaient. Et là, 600 km, ça donne une dimension effectivement plus importante sur des boucles pertinentes sur le plan environnemental. Tout à fait. Ça ne veut pas dire que le réemploi ne doit pas se développer sur des boucles beaucoup bien plus entendu de proximité. Mais l'ADEME a démontré que jusqu'à 600 km, on avait vraiment quelque chose de très performant. Un cadre réglementaire, des éléments environnementaux, notamment étudiés par l'ADEME. Je me tourne vers les opérateurs, distributeurs et puis transformateurs. Alors, pour l'enseigne Biocoop, le réemploi, d'où c'est parti, au fond, quel a été le constat de départ pour se dire, il faut qu'on aille plus loin sur ce sujet ? Alors, il y a un double constat posé un peu avant 2020. Le premier, c'est un constat sur l'impact environnemental, donc ça rejoint les arguments de Yann. On utilise une grande diversité d'emballages et de matériaux, quasiment un produit sur 10 est conditionné dans un emballage en verre à usage unique à cette époque. Et on s'est rendu compte que cet emballage-là, il pesait lourd, il pesait quasiment un tiers des impacts environnementaux, alors qu'ils étaient minoritaires dans l'usage. Donc ça, c'est le premier point de départ, donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de ce matériau ? On le révolutionne ? On change le matériau ? Non, on s'est posé la question de changer son usage et voilà comment a émergé la question de réemployer cet emballage. Puis le deuxième point, qui est plus tourné vers notre métier et la clientèle, était dans l'attente. Dans l'attente de quoi ? D'un nouveau geste, nous qu'on appelle en interne zéro déchet, mais en réalité, si on le traduit d'un point de vue professionnel, c'est un nouveau geste de réemploi. Ils avaient l'habitude de faire du réemploi en s'approvisionnant sur des produits en vrac, de faire du réemploi en revenant avec leur bidon de lessive à recharger dans nos magasins. Et ils avaient besoin d'un nouveau geste pour encore améliorer leur impact et leur démarche vers moins d'impact environnemental. C'est clair, Nicolas. On reviendra plus tard sur la dynamique, mais on comprend qu'effectivement, l'enjeu du verre important en termes d'impact environnemental, une culture zéro déchet. De votre côté, Florence, Maison Gabory, ça a été aussi un point de départ, cette culture zéro déchet, ou est-ce qu'il y a eu d'autres éléments qui vous ont amené à lancer un projet réemploi ? Effectivement, nous, la réflexion, la dynamique 3R, réduction, recyclage, réemploi,
c'est quelque chose qui fait vraiment partie de l'ADN de la Maison Gabory depuis le début. On avait fait, pour parler des emballages, on avait fait beaucoup de travail sur la réduction du plastique dans nos pots de yaourt, aussi sur la réduction du carton dans nos cartons d'emballage secondaire. Et puis, s'est posée la question du verre, comment on limite nos déchets avec le verre. Donc, le réemploi est arrivé de manière assez, assez rapide dans nos réflexions, dans cette idée de réutiliser cette ressource. Enfin, de manière, pour vous expliquer un petit peu, nous, on est agriculteurs et transformateurs, donc notre site de transformation se situe sur notre ferme. On utilise par exemple l'eau de notre laiterie pour irriguer nos cultures. Donc on a vraiment cette façon de voir les choses très circulaire. Et on s'est aussi rendu compte qu'on n'était pas les seuls à se poser la question sur le verre et le réemploi. Donc c'est aussi grâce à une étude menée en 2020 avec Biocop à Rennes, dans les magasins Scarabée, qu'on a pu voir que les consommateurs étaient là et qu'en fait ils nous attendaient sur ce sujet du verre et du réemploi du verre. Alors justement, vous avez cité cette étude, déroulons, on est en 2020, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc on est en 2020, on a donc réalisé une étude conso dans donc les magasins Scarabée Bio sur Rennes. On n'était pas les seuls producteurs, il y avait aussi d'autres marques en bio. Et donc nous, on a commencé par tester nos petits pots parce qu'on a plusieurs formats de verre, on a les pots 125 grammes et les pots 400 grammes. Mais à l'époque, en 2020, on n'avait que le 125. Donc on a voulu tester. Bon, le retour global, c'était qu'au vu de ce petit pot, l'énergie, c'était trop coûteux, c'était pas écologique de le réemployer. On avait un problème aussi sur le côté thermocellage. Bon, c'était pas le bon standard, c'était pas le bon pot. Par contre, on a eu un super retour très positif des consommateurs qui ont rapporté nos petits pots, qui étaient très contents qu'on mette cette initiative en place. Donc ça nous a motivés et on s'est dit, il faut juste qu'on trouve le bon format adapté. Alors ça veut dire que vous avez été convaincu par l'intérêt consommateur, les taux de retour étaient satisfaisants, il a fallu passer sur un autre format, c'est ça ? Exactement. Entendu. Alors on va revenir plus tard sur ce projet, parfait teasing, mais je voudrais le remettre justement dans le contexte du travail élaboré par l'enseigne Biocop. Alors vous aviez effectivement évoqué tout à l'heure le constat, qu'est-ce qui a été fait en quelques chiffres pour qu'on comprenne le déploiement du réemploi à l'échelle de l'enseigne ? Oui, donc, si on remonte dans le temps 2020, c'était l'émergence des premiers points de collecte en partenariat avec Boutabou et d'autres opérateurs, 30 points de collecte dans quelques magasins du coup. Maintenant, 3 ans plus tard, on a multiplié par 15. Il y a 450 magasins qui sont aujourd'hui points de collecte. On a noué des partenariats avec des équivalents de bout à bout. Donc on a 17 partenaires sur la France pour permettre ces points de collecte dans nos magasins. L'objectif, c'est quoi ? C'est que 100% de nos magasins soient points de collecte pour que le réemploi soit une réalité pour nos consommateurs le plus rapidement possible. Parce que c'est un enjeu clé. On doit leur apporter une réponse. Et puis on va le voir, ils sont cruciaux dans le rôle du retour, qui a un impact sur la performance économique et environnementale. Et puis l'autre point, c'est bien des points de collecte, mais il faut des produits à rapporter. Donc il y a eu un petit travail sur l'identification avec Réseau Vrac et Réemploi, anciennement Réseau Consigne, sur l'identification avec un pictogramme en attente d'autres signalétiques. Des premiers travaux sur nos produits à marque de distributeur pour montrer que c'était faisable. Donc on a lancé Pétillant de fruits avec Jardin de l'Orbris, la limonade avec Maison Menot. Et puis ça crée un aspirateur, puisqu'on est à maintenant 100 références au catalogue. On a commercialisé 5,3 millions d'emballages conçus aptes au réemploi depuis le lancement en 2020. Donc on a vraiment contribué à changer d'échelle et à faire du réemploi une réalité dans le quotidien de nos magasins et de nos consos. Effectivement, on est vraiment déjà sur le deuxième étage de la fusée. Quelques mots en magasin, juste par exemple, comment ça se passe ? Est-ce que vous êtes plutôt sur des machines avec des consignations, plutôt sur un travail manuel aux caisses ? Alors chez Biocop, on a une approche assez low-tech dans les modes de distribution alternatifs à l'usage unique. Donc on essaye d'être le plus efficient et simpliste dans le parcours client. Donc aujourd'hui, le parcours client, il s'applique sans RVM. C'est une remise en libre-service ou en caisse pour s'adapter au contexte des magasins. Et c'est ce qui nous a permis de déployer rapidement, sans trop de contraintes pour nos magasins aujourd'hui. Et on saurait qu'on aura évolué vers d'autres systèmes pour une meilleure traçabilité, ou ces points qui ont été soulevés tout à l'heure avec le projet d'Eurobac par exemple.
Vous avez parlé d'une centaine de références, des bouteilles et des pots, justement. Oui, aujourd'hui, de la bouteille verte, principalement. On n'a pas réussi à craquer, et c'est pour ça qu'on est en expérimentation sur les pots, le modèle des pots. Donc, ça concerne quel marché ? Les vins, la bière, les softs. Et puis, on aura une innovation au début de l'été. On va sortir des boissons. Donc, on verra un peu plus tard, dans quelques mois. Parfait teasing, Nicolas. On les attend avec impatience. Je me tourne vers Yann. On a cité effectivement la présence de bout à bout eh bien, dès le début, au fond, hein, de ces projets. Quelques mots sur cette historique. Et puis, il y a un grand virage en 2023. Effectivement, c'est cette nouvelle usine. Ouais, le projet Bout à Bout a été fondé en 2016 et au départ c'est une association. En fait c'est des citoyens et en particulier Célie qui a fondé le projet, qui a essayé de comprendre pourquoi on avait abandonné cette pratique de réutilisation des contenants en verre qui était la norme il y a quelques années. Et de chemin faisant a mis en place un premier dispositif, a trouvé des parties prenantes, des acteurs qui avaient envie de faire bouger les lignes, Biocoop, beaucoup d'acteurs engagés, la Maison Gabory pour essayer de faire changer les choses. Et chemin faisant, un réseau de magasins partenaires s'est développé, un réseau de producteurs aussi qui sont engagés dans le réemploi a grossi. Et en 2023, on a finalisé une augmentation, on a transformé le projet associatif en entreprise. On a réalisé une levée de fonds, ce qui nous a permis d'investir dans un site industriel. Alors, pas tant pour se faire plaisir qu'en fait pour répondre à une attente des metteurs en marché, en fait, des producteurs qui avaient des exigences en termes de qualité, en termes de traçabilité, en termes de performance économique sur les systèmes de tri et de lavage. Et donc c'est pour ça qu'on a investi une usine qui a démarré en novembre, qui est en pleine accélération et qui nous permet d'accompagner ce virage et cette vague autour du développement du réemploi. Et là, le futur, c'est aussi le développement des standards. Le sujet du réemploi, c'est aussi le sujet d'une capacité à utiliser, que les différents acteurs utilisent des contenants qui sont standardisés et interopérables. Et c'est en cela où le travail de Citeo, je vois au bout, Lauriane, les gammes standardisées sont extrêmement précieuses pour nous, pour le développement de la filière. Alors, parfaite transition, Lauriane. Justement, l'actualité, c'est ces gammes standards réemployables. Certains prototypes, on peut employer le terme, sont sortis des usines des verriers et sont en cours de test, y compris chez Bout à Bout. Exactement. Donc là, les deux références que j'ai devant moi, c'est justement des prototypes. Donc là, qui sont sortis des moules verriers. On était justement hier chez Bout à Bout pour regarder les pots passer sur la ligne de lavage. Ça marche, Yann? Ça marche. C'était émouvant à voir. Non, on est ravis. Donc là, c'est les deux références, effectivement, les plus avancées dans le développement des travaux. Donc un petit rappel, Citeo, en tant qu'éco-organisme, avait l'obligation de développer une gamme d'emballages standards pour les secteurs de la boisson, des produits frais et de la restauration. Donc c'est des travaux qui ont été débutés déjà depuis 2021, où on a mis autour de la table les industriels et les acteurs du réemploi pour définir cette gamme d'emballages standards. Donc là, effectivement, les références les plus avancées, c'est des références en verre, dont ces deux références, la bouteille de bière et le pot 720 ml. On a également un autre format de pot et des bouteilles, un bocal fraîcheur d'un litre et une bouteille à goulot étroit d'un litre pour les eaux, qui sont en cours de développement. Donc là, ces références, elles sont en phase de test. Donc il y a eu des tests chez Verrier, là il y a des tests de lavage. Et il y aura également des tests chez les industriels pour valider ces emballages avant qu'ils puissent être mis à disposition de l'ensemble des industriels. Alors, on va reparler de ces emballages standards réemployables, mais je me tourne vers Florence parce que je voudrais qu'on reprenne le projet que vous avez mené. Vous n'avez pas attendu les gammes standards, maintenant elles sont arrivées, vous allez nous dire ce que vous pourriez en faire. Mais tout d'abord, qu'est-ce que vous avez développé de par vos propres moyens ? Oui, alors donc suite à la première étape en 2020, on a fait la recherche pour trouver un pot le plus standardisé possible. Donc on a regardé dans les rayons quels étaient les pots que l'on voyait plus. Et en échangeant aussi avec les verriers, on est arrivé à choisir ce modèle de pot. On a...
on a en fait tout s'est passé un petit peu en même temps. Fin 2021, on a été aussi candidat et lauréat pour une étude menée par Citeo, justement pour réfléchir à la mutualisation du réemploi. Donc on savait très bien que tout seul, on n'allait pas aller très loin. Donc c'était vraiment un moyen de pouvoir comprendre comment on allait pouvoir mettre tout cela en place. Mais c'est vrai que de notre côté, on avait aussi un peu envie de tester, d'expérimenter. Et donc, on s'est équipé en fin 2021 d'une étiquette hydrosoluble sur nos formats de peau. Et puis, on était aussi en échange toujours avec Bout à Bout. Donc, on a lancé cette gamme de 4 yaourts frais. Et début 2022, clairement, premier échec. suite aux différents lavages, l'étiquette ne partait pas. Bon, on avait pour une étiquette qui fonctionnait sur les bouteilles, mais on s'est rendu compte avec en échangeant vraiment avec tout le monde, Bout à Bout, Biocoop, le réseau Consigne qui est aujourd'hui Vrac et Réemploi, des imprimeurs, des laveurs. Enfin, on a vraiment contacté tout le monde pour comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas et quoi faire pour que ça fonctionne. Et donc s'en est suivi un an et demi de tests que j'ai réalisé sur plein d'étiquettes différentes, parce que nous, étant dans le frais, on avait quand même des contraintes très différentes des bières et des boissons qui sont stockées à température ambiante. Et on avait peu de retours. Donc en fait, il fallait un peu tout tester. Et puis, en discutant, on s'apportait à chacun des choses sur nos expérimentations. Et est-ce que vous avez trouvé votre bonheur ? Bon, alors, dans l'étiquette hydrosoluble ou lessivable, clairement, non. On s'est rendu compte que voilà, c'était pas encore, on n'avait pas de solution viable. Donc, on s'est dit, en attendant que les recherches soient faites pour avoir les bonnes solutions, on change un peu de cap. On s'est dit, peut-être que ce n'était pas... en tout cas, on prend une voie un peu parallèle, et puis on s'est dit, c'est peut-être pas au laveur de décoller cette étiquette, c'est peut-être au consommateur. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, on va essayer de trouver une étiquette qui se décolle très facilement. Il faut que ce geste soit le plus simple, facile, et facile possible. Et donc, on a trouvé cette étiquette. J'aimerais bien vous faire la petite démonstration parce que allez, c'est le moment, la démonstration. c'est toujours un peu risqué, mais on assume votre... mais non, parce que ça fonctionne à merveille, je peux vous le confirmer. Ça se décolle parfaitement, en effet. Mais alors, donc, du coup, ça veut dire que qui décolle cette étiquette ? Voilà, donc, une étiquette qui se décolle sans laisser de traces et très facilement, c'est... ça, c'est vraiment chouette. Sans laisser de traces pour, bien sûr, le laveur... qui n'a pas à s'en préoccuper, que ça soit facile à décoller, que ça ne se déchire pas, donc ça rend le geste très rapide, ça c'est pour le consommateur. Et donc l'idée, c'est de prendre un peu ce pari, voir si ça fonctionne. Et donc depuis juin 2023, avec Bout à Bout et Biocoop, mais aussi d'autres magasins bio, une quinzaine de magasins participants dans le 49 et le 44, on a lancé justement cette expérimentation pour voir si ça va marcher. Quels vont être les retours. Donc on demande aux consommateurs de nous rapporter le bocal rincé, sans étiquette, mais avec le couvercle. Et l'expérimentation est toujours en cours. On l'a commencé en juin 2023, elle se finira en juin 2024, donc bientôt. Nous, toujours en parallèle, on a notre magasin de vente directe à la ferme qui nous permet d'avoir aussi des retours très directs de nos consommateurs. Et pour vous donner des chiffres qui sont très encourageants, qui sont, je sais très, enfin, c'est un magasin de vente directe, donc on est, c'est différent qu'un magasin bien sûr, bio. Bien sûr, une relation très forte de proximité. Voilà, on a une fidélité importante, mais en tout cas, c'est des chiffres qui sont très, très chouettes à communiquer. Donc on a un taux de retour moyen depuis le début de l'expérimentation à plus de 61%. Avant cette étiquette décollable, on était à 40%. On a eu là un pic en janvier à 82% de taux de retour, donc c'est assez énorme. Sur la consigne donnée de récupérer de rapporter le couvercle, là on est sur du 100%. Donc on se rend compte que ça doit être un usage assez courant et assez instinctif pour le consommateur. Quant à l'étiquette, les peaux sont retournées à 95% sans étiquette. On n'est pas à 100%. On a malgré tout quand même une communication sur le pot, mais on sait très bien que tout le monde n'en parle, ne lit pas forcément tout.
Donc voilà, mais 95%, c'est quand même très, très chouette. Et un exemple vraiment de projet, effectivement, qui a été porté avec une solution originale, innovante, qui met, Yann, en exergue, effectivement, la question de l'étiquette. On reviendra sur les emballages standards réemployables. Ouais. C'est une vraie problématique en tant que laveur. Pour compléter, en fait, il existe deux technologies pour laver des bouteilles. Les bouteilles sont lavées par des technologies à immersion. Donc en fait, on va plonger la bouteille dans un bain. Il va y avoir un temps de contact relativement long entre le produit lessiviel et l'étiquette. Et du coup, ça permet de nettoyer. Pour tout ce qui est peau, historiquement, c'était plutôt des tunnels à aspersion. Donc système un peu type qui lave les assiettes de la cuisine, des cuisines centrales ou des choses comme ça. Où là, du coup, le temps de contact entre l'étiquette et le produit est beaucoup plus court. Donc du coup, il y avait des enjeux de retirabilité qui était plus technique. D'où le sujet, les recherches menées par la maison Gabory. Depuis, nous, on a fait des investissements et l'objectif de la ligne, c'était bien qu'elle puisse intégrer du lavage de peau, de bocaux. En polyvalence. Exactement, pour avoir un peu les mêmes possibilités que sur du lavage de bouteilles. Cela étant dit, le sujet de l'étiquette reste, l'éco-conception, la conception d'une étiquette qui parte bien au lavage est un élément clé dans la filière de réemploi. Merci pour ces précisions. Florence, dernier point, parce qu'on a parlé de l'étiquette. Le lien avec les gammes standards, pour vous, c'est une perspective, parce qu'on voit qu'effectivement, vous avez d'une certaine façon devancé avec vos partenaires le lancement des gammes standards. Demain, ça pourrait être votre horizon ? En fait, depuis 2021, on travaille et on fait partie des groupes de travail avec Citeo et on suit les différents Reuse Day organisés aussi par Citeo parce qu'on est convaincu qu'un pot standard, que des formats standards sont la solution. Donc c'est vrai qu'on ne veut pas du tout faire ça pour concurrencer, c'est plus pour tester et pour pouvoir comprendre aussi d'avoir des retours directs, qu'ils soient de la part des consommateurs, des magasins, des laveurs, sur toute cette logistique qui est quand même très complexe à mettre en place. On va y revenir justement, mais en tout cas, on comprend que pour vous, ça peut être un horizon. Nicolas, pour l'enseigne Biocoop, les gammes standards réemployables, comment elles peuvent s'inscrire dans votre stratégie ? Elles vont permettre d'apporter des nouvelles opportunités de développement de produits, clairement. Aujourd'hui, on a des standards internes, on va dire, désolé du mot, qui permettent de couvrir certaines boissons, mais clairement, on les attend de pied ferme, les pots. On souhaite les voir dans nos rayons le plus rapidement possible, parce que on l'a vu, les consommateurs, ils sont dans l'attente, ils le veulent, et on a besoin de ce pot standardisé pour répondre aux contraintes techniques, pour répondre aux contraintes d'identification, on comprend bien, le haircut sera un élément de distinction important pour le travail en magasin de collecte et de tri. Donc on les attend et on attend ce pot dans nos étagères. Alors Lauriane, je poursuis finalement la question de Nicolas, c'est quand qu'effectivement ça va être mis sur le marché concrètement C'est la question qu'on nous pose régulièrement. Donc ces références, elles sont en cours de test, donc déjà c'est sous couvert de la validation des tests et que tout se passe bien. C'est des process qui prennent du temps, mais on n'a pas de date fixe, mais on espère que les premières références pourront être disponibles d'ici la fin du deuxième trimestre ou début troisième trimestre. D'accord. Bon, un horizon est donné et les tests, je vois Yann qui acquiesce, effectivement, viennent d'être réalisés et ça se passe bien. Oui. Vous me le confirmez. Bon, on a cette information effectivement qui est très opérationnelle. Maintenant, je voudrais qu'on essaye de répondre au fond à la question qu'on s'était posée collectivement, c'est comment passer à l'échelle, comment effectivement aller plus loin. Florence, justement, vous avez parlé tout à l'heure de complexité logistique. Qu'est-ce que vous voulez exprimer à travers ça ? Et on va tâcher d'y répondre. Alors que ce n'est vraiment pas simple. Non, mais en fait, c'est aussi par l'expérimentation qu'on comprend et qu'on réussit à mettre en place. Citeo a fait un énorme travail là-dessus pour essayer de comprendre comment s'organiser, qui met en place quoi, qui collecte quoi, comment ça se passe, comment ça se collecte, qui rachète, etc. Parce que concrètement, pour vous, la question, c'est qu'effectivement, ces pots, s'ils sont ramenés dans un magasin autour de Molévrier, tout va bien. Mais qu'est-ce qui se passe si c'est, parce que vous êtes référencé à l'échelle nationale, voilà. Si c'est à Strasbourg, Marseille, Brest, qu'est-ce qu'on en fait de ces pots ? Donc nous, c'est vrai qu'on n'a pas l'objectif de récupérer tous les pots que l'on met sur le marché en tant que metteur en marché national. On souhaiterait vraiment récupérer au moins les bocaux de notre région
Et c'est pour ça qu'on travaille avec Bout à Bout, qui est vraiment l'opérateur de notre région. Mais l'idée serait, si on est plusieurs metteurs en marché à utiliser les mêmes standards, de pouvoir récupérer pas que les bocaux Gabori nous concernant, mais d'autres bocaux aussi. Donc l'idée, c'est aussi, et c'est comme ça qu'on essaye d'accompagner un petit peu les magasins qui nous appellent ou les consommateurs qui nous demandent, c'est en expliquant ce réemploi qui peut être mis en place de manière assez régionale. Parce qu'en fait, nous, quand on va acheter un pot neuf en grande quantité, on ne va pas du tout avoir le même prix d'achat qu'un producteur qui va avoir une quantité beaucoup plus minime. Et donc, c'est sur aussi ce delta-là qu'il peut être intéressant pour un plus petit producteur. Mais il y a quand même un delta prix là aujourd'hui qui est très différent entre le pot neuf et le pot réemployé, pot réemployable. Et c'est là où nous, personnellement, en tant que metteurs en marché, on attend une aide de l'État pour combler ce delta, pour qu'au final, effectivement, 100% de ce que l'on mette sur le marché soit des pots réemployables et réemployés, et que ça soit une boucle viable. Mais cet accompagnement devra être aussi sur du long terme, afin que ce delta, ce gap, soit le plus réduit possible. C'est très clair. On voit bien qu'il y a une problématique, au fond, organisationnelle des boucles de réemploi locales à l'échelle nationale, et puis un accompagnement financier. Pour l'enseigne Biocoop, au fond, est-ce que sur l'aspect d'abord purement, on va dire, technique ou organisationnel, on a parlé de standardisation des emballages, mais au fond, il y a certainement un besoin de standardisation des autres aspects? Effectivement, l'enjeu de passage à l'échelle, c'est un enjeu de volume. Donc la première question, ça va être l'interopérabilité. On a fait la démarche d'installer des points de collecte au sein de Biocoop, mais on espère voir émerger une filière du réemploi en France avec des règles standardisées d'interopérabilité, inter-enseigne, inter-metteur en marché, inter-opérateur, inter-consommateur. En tout cas, on a besoin de ça pour faire progresser le réemploi, l'ancrer dans le quotidien et apporter les volumes à la structuration de la filière. Et le deuxième point que soulevait un petit peu Hélène, évidemment, aujourd'hui, il est parfois... Florence. Désolé. Il y a une Hélène Gabori, tout excusé, Nicolas. Et du coup, je disais, oui, c'est la compétitivité entre l'usage unique et le réemploi. Aujourd'hui, on a trouvé une équation pour certains formats. Il faut qu'on le trouve sur d'autres. Et ça passe aussi par des volumes et un soutien. Donc, on a la chance d'avoir aujourd'hui des soutiens de Citeo, par exemple, pour l'installation de nos points de collecte. Peut-être que demain, on en aura pour justement contrebalancer l'efficience économique de l'usage unique versus le réemploi. Alors, Lauriane, vous avez vu, on vient vers vous progressivement avec une double attente. Au fond, quels apports sur l'aspect organisationnel, la réflexion menée sur comment doivent se construire ces boucles de réemploi, et puis le volet financier? Ça fait beaucoup de questions. Ça en fait deux grosses. Je vais commencer par le modèle, parce qu'effectivement, on le voit, il y a des boucles performantes qui existent en région. Maintenant, tout l'enjeu, c'est de passer à l'échelle nationale et de pouvoir distribuer au niveau national des produits dans des magasins ou dans des enseignes qui sont présentes sur tout le territoire. Et c'est justement tout l'enjeu de la démarche Reuse, qui est une démarche collective qui a été initiée il y a déjà quelques mois, qui met justement autour de la table tous les acteurs de la boucle de réemploi pour réfléchir, pour imaginer ensemble quel serait un dispositif mutualisé national de réemploi qui répond justement à toutes les questions qui ont été soulevées précédemment. Donc cette démarche Reuse, sur 2023, elle avait trois objectifs. Le premier, c'était d'imaginer les contours opérationnels de ce dispositif national. Donc c'est ce qui a été fait notamment grâce à des ateliers collaboratifs sur différentes thématiques où des hypothèses et des orientations opérationnelles ont été prises. Un deuxième enjeu était de montrer qu'il existait un modèle économique pertinent. Donc il y a une modélisation économique qui a été réalisée et présentée dans le cadre du dernier Reuse Day, notamment un événement dans lequel on partage les avancées du projet.
Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, au lancement, le modèle n'est pas optimisé, mais plus on tend vers de la mutualisation et de la massification, plus on arrive à un modèle qui pourrait être pertinent économiquement. Et dans ce modèle-là, sans rentrer dans les détails, le terme de pooler est ressorti. Ça veut dire qu'on a, on a besoin d'un partenaire qui va assurer justement le flux logistique de ces contenants réemployables. J'avais dit qu'il y avait trois objectifs. C'est effectivement le dernier objectif qui est ça fait une belle transition, qui est l'objectif de gouvernance pour répondre à la question qui est responsable de quoi dans ce modèle national. Parce que là, on parle de mutualisation, d'un parc d'emballage qui est partagé entre plusieurs acteurs. Donc, je vais vous prendre des exemples concrets. Par exemple, dans 5 ans, ce pot 720 ml, si on se rend compte qu'il fait des faibles volumes, qu'il est peu retourné par les consommateurs, peu utilisé, qui prend la décision de retirer cette référence des standards parce que finalement, elle désoptimise le système ? Je prends un autre exemple, comme ça rend la chose un peu concrète. On a financé un outil de récupération des emballages dans un point de vente. On voit que les taux de retour sont très faibles dans ce point de vente. Qui prend la décision de déréférencer ce point de vente comme lieu de retour ? Donc tout ça, c'est des questions, c'est des travaux qui sont encore en cours sur ces sujets de gouvernance, mais effectivement, ça nécessite potentiellement un pooler qui coordonne un peu la gestion du parc et toutes ces questions de gouvernance. La question de l'accompagnement financier, alors j'entends qu'il y a une forme de besoin d'accompagnement dans la durée et puis évidemment de volume d'investissement. Alors qu'en est-il pour l'année 2024 ? Alors sur 2024, on va réitérer le même, on a toujours cette obligation de dédier 5% de notre chiffre d'affaires au déploiement de projets de réemploi. Donc on va réitérer le format d'appel à projet qui avait été publié l'année dernière. On a sur 2024 une enveloppe estimée de 100 millions d'euros avec plusieurs poches de financement sur le réemploi. Il va y avoir également des appels à projets spécifiques qui découlent de ce projet, de cette démarche Reuse, avec notamment un appel d'offres sur les RVM, donc les automates de collecte, donc des financements dédiés, des financements sur le lavage également. Et comme l'a dit Nicolas, on va avoir des soutiens à la collecte des emballages, donc depuis le point de récupération jusqu'à un premier point de massification. Donc tout ça, c'est des sujets qui sont en cours de modélisation ou sur lesquels on est en train de travailler concrètement à ce à quoi pourrait ressembler l'offre de financement. Donc j'aurai pas beaucoup plus de détails à partager, mais en tout cas, il y a plusieurs poches de financement qui arrivent sur 2024. D'accord, et vous allez me trouver un peu systématique, mais ma question c'est quand justement pour cet appel à projet 2024 ? Alors nous on est prêts, le cahier des charges est prêt, on a une nouvelle obligation dans notre cahier des charges d'agrément cette année, on doit consulter pour avis et faire valider les critères d'éligibilité au pouvoir public, donc on est dans l'attente de cette validation. On espère le plus tôt possible pouvoir le publier. Effectivement, donc c'est lié à l'agrément d'État, effectivement, le cahier des charges de Citeo qui explique effectivement cette situation. Je me tourne vers Yann. Au fond, sur ce débat-là, est-ce que l'enjeu, le terme a été employé, c'est pas la massification et comment vous pouvez y répondre ? C'est la massification, le changement d'échelle. Je pense que c'est ça la fin des discussions. Et nous, c'est l'enjeu là en ce moment. On a investi 3 millions d'euros dans un site qui est extrêmement capacitaire. L'enjeu qu'on a là à très court terme, c'est de le remplir. On a de la place. Si vous avez des contenants à laver, on est vraiment dimensionné là-dessus. Et en parallèle, on est en train de travailler sur du déploiement, c'est-à-dire comment on accompagne historiquement, on est autour de la région Pays de Loire, de la région Centre-Val de Loire. Et donc là, on se développe avec des partenaires en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine, en Normandie. Et puis on regarde aussi, parce que ce changement d'échelle, il se fait à l'échelle du territoire national. Donc c'est quelque chose qu'on construit et qu'on veut continuer de construire avec les parties prenantes déjà en place sur les territoires. Quelques chiffres, combien de points de collecte, de metteurs en marché travaillent avec vous ? Là, aujourd'hui, on a plus de 220-230 points de collecte et on devrait finir l'année on est en train d'en intégrer des nouveaux. Et puis, combien de producteurs ? Je peux parler en référence. On travaille sur un catalogue de références réemployables. Je regardais hier, on a un catalogue de plus de 1900 références réemployables. C'est-à-dire qu'en fait, pour une marque, on peut avoir différents produits. Donc, l'offre elle commence à clairement s'étoffer. Et en fonction des magasins, ça ne veut pas dire qu'on a 2000 références dans chaque magasin. Mais sur certains magasins, on peut avoir 100, 150 références. Donc, c'est un peu ça l'enjeu. Ouais.
Merci Yann, une dynamique effectivement eh bien, qui est en cours. Merci à chacun des intervenants pour ces échanges. L'idée, c'est de donner la parole à la salle. Si vous avez des questions, des précisions, oui. Madame, merci de vous présenter. Oui, bonjour, je suis Fanny Moulin. Je fais partie de Distro, opérateur de réemploi en Bretagne, sur le Vert. Je travaille déjà voilà, avec Nicolas Dové. Ma question s'adresse plutôt à Lauriane de Citeo. Vous parliez justement des objectifs par rapport à la loi AGEC. On parlait de 2023, donc qui fait partie du passé. Aujourd'hui, quels sont les contrôles qui sont effectués pour savoir si on a atteint ces objectifs? Est-ce qu'on a un rapport avec les bons, les mauvais élèves? Quelles sont les marches qui sont encore à faire? Est-ce qu'on atteint les objectifs déjà qu'on s'est fixés pour le passé? Lauriane. Alors on a donc là c'est une obligation pour les metteurs en marché depuis le 1er janvier 2024 de déclarer leurs emballages réemployés, réemployables, ce qui va nous permettre de pouvoir avoir une idée de ces chiffres et de pouvoir calculer un taux de réemploi qu'on n'a pas encore aujourd'hui puisque la période de déclaration elle est en ce moment. Sur 2024 l'objectif il est de 6% de mise en marché d'emballages réemployés. Donc pour le moment on n'a pas une vision sur ces chiffres, mais on espère l'avoir prochainement. Et pour répondre à une partie de la question, on a aussi une nouvelle obligation dans notre cahier des charges d'agrément, c'est de réaliser des trajectoires sectorielles, donc d'aller au-delà, de s'inspirer notamment de l'étude de potentiel de réemploi qui a été réalisée par l'ADEME, pour pouvoir définir des objectifs potentiels de réemploi par secteur, d'identifier un plan d'action qui permet d'atteindre ces objectifs, et puis de pouvoir expliquer pourquoi, dans certains cas, on n'atteint pas ces objectifs. Donc en clair, pas de sanctions, mais on voit bien que l'agrément a évolué dans le sens effectivement d'être plus précis par secteur. Et au fond, à chaque nouvel agrément, il peut y avoir ce débat éventuel remis sur table. Je vais quand même rebondir parce que Vincent l'a précisé tout à l'heure sur le point réglementaire. Il y a des sanctions qui pourront être appliquées à l'éco-organisme qui, je le rappelle, est financé par les contributions. Donc ça pourra avoir un impact sur les metteurs en marché. Par ce biais-là. Entendu, Lauriane, merci pour cette précision. Une autre question. Oui, madame, on vous amène le micro, Nathalie, derrière. Voilà, merci de vous présenter avant de poser votre question. Delphine Bitton, Brasserie Lancelot. J'avais une question sur la mise en palette, notamment des bouteilles vides ou des bocaux. Vous adaptez à chaque client, donc en fonction de nos hauteurs, notamment pour la dépalettisation du coup, des emballages vides. Comment ça se passe quand vous mettez ça en place avec C'est pour Yann. Pour nous. On a un système de... La ligne, en fait, elle a été conçue pour être la plus polyvalente possible. Donc, on peut faire du décaissage de caisses classiques ou on peut décaisser à la couche complète de bouteilles avant lavage. Et puis ensuite, sur la partie palettisation, l'idée, c'est que ce soit exactement similaire à une palette de bouteilles d'un verrier que vous recevriez. Et donc, du coup, sur les plans de palettisation, en fonction des formats de bouteilles, on va être sur exactement les mêmes plans de palettisation que les plans verriers. Okay, donc vous une réaction. Vous vous adaptez à chaque client en fonction de... On s'adapte au format des bouteilles. Du fournisseur. Okay. En fait, au format des bouteilles. Aujourd'hui, sur une bouteille de litre fraîcheur, sur une bouteille de bière ou sur un bocal, vous avez des plans de palettisation qui sont définis. Et donc, on intègre les mêmes. D'autres questions, demande de précision. Oui, monsieur, au fond, Nathalie, au fond de la salle, le micro est transmis de main en main. Merci. Merci de vous présenter. Philippe Berthraud, société Sliver, on fabrique des étiquettes thermorétractables. Madame Gabory a mentionné tout à l'heure les difficultés avec les étiquettes, et donc la question est peut-être plutôt pour Madame Delamarre ou pour Yann Priou, est-ce qu'il y a des réflexions en cours aujourd'hui sur un cahier des charges pour les étiquettes qui doivent venir sur ces emballages réemployables? Merci. Effectivement, bonne question. Là, ils sont nus. Quid des étiquettes? Alors, jusqu'à présent, nous, on a travaillé uniquement sur la partie emballage. On le voit, le sujet de l'étiquette remonte de plus en plus. Donc, effectivement, on réfléchit à qu'est-ce qu'on pourra mettre comme outil en place pour pouvoir faire des recommandations sur les étiquettes à utiliser. L'idée, là, c'est qu'on développe ces standards, mais qui viendront certainement aussi avec une charte d'utilisation et des conditions d'utilisation qui permettent une mutualisation qui se passe bien sur la gestion de ce parc. Donc, on est en train d'y réfléchir, mais on n'a pas de travaux directement portés par Citeo sur le développement d'étiquettes pour le réemploi.
Yann, une précision. En deux mots, le sujet des étiquettes a été travaillé, a été financé par Citeo et l'ADEME. On a fait des études avec un certain nombre d'adhésifs et d'impressions, de marquages, dorures, avec des vieillissements aussi, avec UV, sans UV, parce qu'en fait, il y a plein de paramètres qui peuvent jouer sur le retrait des étiquettes et des adhésifs. Donc ça, c'est un premier travail qu'on a mené et qui nous permet aujourd'hui d'avoir un cahier des charges pour dire ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne moins bien, d'une part. Et d'autre part, on est en train de continuer ces études-là. Et je crois qu'il y a des enjeux de pouvoir... aujourd'hui, on a défini des critères, on sait ce qui fonctionne en termes de papier, en termes d'adhésif, etc. L'idée, ce n'est pas de définir une solution technique, mais c'est plutôt de donner les clés pour que chacun puisse s'approprier le sujet et que ça devienne quelque chose qui soit intégré par différents imprimeurs. C'est ça l'objectif qu'on peut avoir. Merci. Alors, une réaction, on vous donne le micro rapidement. Oui, merci. Est-ce que vous considérez que vous avez un enjeu, au-delà du fait de décoller l'étiquette, sur la pollution des eaux de lavage par les adhésifs qui peuvent être des produits chimiques qui sont particulièrement agressifs? Alors, on analyse régulièrement tous nos bains. On fait des analyses libératoires sur chaque lot de bouteilles que l'on fait. Le système de lavage des contenants en verre en Allemagne, en Belgique ou même en France, sur tous les flux CHR, sont déjà très standardisés. Donc du coup, on est relativement serein. Cependant, c'est un sujet, le sujet que vous évoquez, qui est travaillé au niveau européen avec le CETI, en essayant de creuser l'impact. Aujourd'hui, nous, à l'usine, on analyse très régulièrement les sujets. On a un objectif d'agrément ISO 22000 d'ici à la fin de l'année. Donc on est vraiment très pointu sur ce détail-là. Et on n'a pas remarqué de problématique particulière. Merci pour cette réponse. Une dernière question, monsieur devant. On vous amène le micro. N'oubliez pas de vous présenter avant de poser votre question. Bonjour, Pierre-Marie Assimon de l'ADEME. Merci beaucoup à tous et toutes pour vos belles interventions. Une petite question concernant la standardisation de ces contenants et emballages. Est-ce qu'il y a des travaux au niveau européen qui sont faits, un minimum, un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout? Est-ce que des collègues dans d'autres pays y travaillent également ou pas? Merci. L'harmonisation, Lauriane. Alors nous, ces standards, ils sont vraiment destinés aux mises en marché françaises. On s'inspire beaucoup des modèles qui peuvent exister chez nos voisins, mais chaque modèle est spécifique. Par exemple, je vais prendre le modèle allemand qu'on a beaucoup étudié. En Allemagne, c'est essentiellement sur la boisson. Nous, on essaye d'avoir une gamme un peu plus élargie. Donc, pour le moment, c'est vraiment nous sur des mises en marché françaises. Après, je sais qu'il existe des projets à portée européenne sur des projets de standardisation et de mutualisation. Je pense notamment au projet RIPAC. Mais j'ai pas trop beaucoup d'infos à partager dessus aujourd'hui. Mais effectivement, c'est un sujet intéressant. On manquera pas de faire un focus lors d'une prochaine édition du salon. Pourquoi pas? Il est temps de conclure. Merci d'applaudir les intervenants de la matinée et de la table ronde. On peut les remercier chaleureusement. Vous l'avez compris, c'est une période fascinante dans le monde de l'emballage qui est ouverte, à la fois prometteuse et pétrie d'incertitudes, un grand besoin d'expertise et de solutions, c'est tout l'intérêt du CEFIA. Merci beaucoup pour votre attention et je vous rappelle que les replays sont disponibles sur la chaîne YouTube du Salon. À très vite. Merci.